Les amis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je raffole de la Batavia. Et on va semer de la... Allez, on se met une petite ligne vite fait de Batavia dans notre petit carré. Et avec nos graines qu'on a récoltées il y a quelques jours. Ouais les amis, hein. D'où l'avantage de faire ces graines soi-même. Allez, alors regardez, c'est les graines d'il y a quelques jours. Alors regardez, hop. Donc on va prendre celle-ci. Là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, celle-ci dans le fond. Voilà, donc on laisse bien sécher. Voilà, alors on va se faire un plaisir de faire un petit semis. Bon, allez, on attaque ça au plus vite. Alors, je vous fais voir. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chichi entre nous. On se dépêche. Hein, toujours notre petite ligne comme ça. 2-3 cm de profondeur. Tranquillos, tranquillos. Et là... On va déposer délicatement. Voilà, regardez. Alors, il y a un petit peu de pompon avec, hein. Il y a un petit peu de pompon. Alors, on va simplement saupoudrer. Voilà. Et il va falloir démarrer, les amis, hein. Il va falloir démarrer, tout simplement. Voilà. Bon, bah, on espère qu'on ne va pas être trop, quand même, trop serré. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer un peu de terre, voilà, dessus, voilà, un petit peu de belle petite Batavia, pour dire de se faire plaisir, voilà, un petit peu d'écrasement, tout simplement, voilà, oh là là, il y a un gros paquet. Donc voilà, comme ceci. Alors les graines de salade ne doivent pas être trop enterré, hein, surtout pas à peine comme ceci. Hop là, regardez, il va avoir plein de salade dans le coin. Et un bon petit coup d'arrosage. Alors là, vous y allez copieusement. Et c'est vrai que tout à l'heure, au niveau des radis, j'ai pas bien fait voir. Hein, j'ai pas bien fait voir. Alors, on va y mettre, bien sûr, notre petit bâton de repère. Voilà, comme ceci. Un peu dur à enfoncer de chaque côté, et on se fait une dernière petite ligne de radis sur le côté comme ceci. On se dépêche, le jardinage n'attend pas. Alors on est en lune montante, comme je dis, et là je vais vous faire voir, voilà, comme ceci, mais au plus près, parce que tout à l'heure je ne vous avais pas bien fait voir. Alors, c'est pas facile, j'ai pas de caméraman, les amis. Hein. J'ai pas de caméraman. Donc, je vois rien. Hein. Voilà. On va semer un petit peu plus à la volée, comme ça. Voilà, voilà, toutes les graines seront réparties comme ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Ensuite, après, c'est rien. Même si à la ficelle, c'est pas grave. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on y met un bon petit arrosage. Voilà les amis, la réussite est au bout. Bon, bah voilà, on a fait le maximum pour vous aider. Voilà, on est en lune montante. N'oubliez pas, un bon site pour le calendrier lunaire. Jardin et malin, c'est pas mal. Lune montante, on sème. Lune descendante, on repique. Allez, à bientôt. Et portez-vous bien et beaucoup de réussite dans votre jardin. À bientôt. Bye bye.